carton, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est de la pub en branle. Et ça, oh, c'est pour moi. Pour Monsieur Baristin Gros Rat. Oh mon Dieu, c'est les impôts. En empire. C'est l'électricité, voire l'eau. Oh mon Dieu. Vous allez le payer, monsieur, demain, vous serez mort par quelqu'un de votre entourage, signé le coupable. Oh mon Dieu, on veut ma peau. Faut que j'appelle la police, mais qui? Ah oui, l'inspecteur, on va parler d'un inspecteur. En cas de souci, appelez l'inspecteur. Est-ce que quelqu'un a appelé l'inspecteur du Crow? Ah, monsieur l'inspecteur, merci d'être arrivé aussi vite! Bon, c'est quoi l'histoire? Voici la lettre que je vous ai parlé au téléphone. Alors... Il y a marqué Monsieur Baristin, un gros rat! Tu comprends pas, je suis pas d'animal! Signé le coupable, en effet... Voici les seules personnes de mon entourage. Mon jardinier et Harry. C'est le jardinier, le coupable. On m'avait dit que c'était un expert. Mais on m'a jamais dit que c'était aussi rapide. Comment avez-vous deviné? Oh, c'était un jeu d'enfant. Sur la lettre, on pouvait y voir de la terre. Or, qui travaille avec la terre, ce n'est qu'un jardinier. Puis les lettres étaient très bien espacées, très bien alignées. Comme des légumes dans un potager. Vous allez me demander pourquoi il veut vous tuer? J'aurais dû vous l'aviez refusé un jour de repos. Tu vois tes congés, regarde. Tiens. Mais t'auras que dalle. Que dalle. Je me mangerai. On ne peut le voir sur le calendrier. Et voilà, l'affaire. Mais je lui ai jamais refusé ce genre de congé. Pas payé, certes, mais il a toujours eu. Vous êtes sûr? Oui, certain même. Oui, monsieur a toujours été généreux, c'est moi qui ai annulé mon jour. Qu'est-ce que vous voulez, mon ami? Oui, monsieur, en fait, mes congés, je les prendrai plus tard. Monsieur? Ok. Mais comment expliquer la terre sur la lettre? Je sais pas. C'est vous, Bibraine, Andrieux. Oui, patron. Oui, patron. Embarquez-moi ce minus. Non, attendez, mais attendez. Viens là, coupable. C'est pas moi, je vous jure. C'est ça. Y'a que les coupables pour dire ça. Allez. Ah. Excusez-moi, j'ai un petit collier avec signature. Bon, vous permettez, on vient de résoudre une enquête, là. Hein? Bon, vous, apportez-moi du somnifère, s'il vous plaît. Un somnifère? Oui, parce que j'ai bu trop de café ce matin, mais j'ai besoin de me calmer. Je vous apporte ça, monsieur l'inspecteur. Et bon, mon frère, un bon verre d'eau, s'il te plaît. Mon frère? C'est votre frère? Oui, Paul et moi, nous sommes frères. Je croyais qu'il s'appelait Baristin. Pas Paul Baristin et moi, Pierre Baristin. Ce qui fait de nous des frères. Oh mon Dieu. J'ai compris votre petit manège. Comment ça? Ce n'est pas le jardinier le coupable. Mais vous, quoi? Mon frère le coupable? Mais c'est n'importe quoi! Arrêtez! Et moi j'ai toujours le collier de monsieur Baristin, hein. Votre frère est bel et bien le coupable. Ah oui, bah prouvez-le. Bon, je le pense ici. Prouvez-le. Sur la lettre, il est écrit que c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous tuera. Or, qui est plus dans votre entourage que votre frère? Je présume donc qu'il a écrit cette lettre et en voulant la poster, il est tombé, ce qui explique la terre sur la lettre et son jogging. Et il fait ça pourquoi? Pour hériter de votre maison. Mon frère, mais tu n'as pas osé. Bah c'est n'importe quoi! C'est du Nutella! J'adore le Nutella! Bon, plus vrai, Andrieux! Et patron? Et patron? Embarque-moi ce comique! Ça peut pas être mon frère, il est déshérité! Tu vas adorer la prison! Vous faites une grave erreur! Je suis innocent! Ils disent tout ça! Je suis innocent! Ouais, c'est ça! Et les prisons sont remplies d'innocents! Bon, bah, merci, inspecteur. Oh, de rien, vous savez, c'est que mon métier après tout. En tout cas, voilà, vous avez arrêté tous ceux qui sont importants dans mon entourage. Comme ça, au moins, l'affaire est réglée. En tout cas, merci pour le somnifère, ça va me faire un plus grand bien. Et comme disait un pote à moi qui s'appelle Hannibal, j'adore que le cochon est dans le maïs. Ou j'adore que le cigare est dans le poulailler. Bon, tu disais un truc. Et où est le facteur? Oh, il est parti. Il a dit qu'il posait votre colis juste ici. J'ai pas commandé de colis. Comment ça? J'ai rien commandé. Attendez, vous êtes sûr? Parce que les colis, ça n'arrive pas comme ça. Je sais quand même si je commande un colis ou non. Alors voilà le bestiau. Ce qui est bien avec ce genre de colis, c'est que ils sont faciles à ouvrir. Alors... Qui fait cette merde? Oh bordel! Ne vous inquiétez pas, je vais l'ouvrir précieusement avec délicatesse. Hein? Avec délicatesse! Oh bordel! Un bordel de merde! Ah! Tu vas voir! Fais gaffe, inspecteur, fais gaffe! T'es marqué fragile! Ah oui? En gros, là, fragile, oui. Mais tout va bien. Vous êtes sûr que vous n'avez pas commandé de montre? Non. Et réveille alors? Non plus.
Ne dites pas que c'est... Ne dites pas que c'est... Une bombe! Oh putain. Plus que 8 secondes. Oh, et puis merde! Alors, en tout cas, merci, inspecteur. Merci. Du travail d'amateur, ça. Moi, j'ai désamorcé des bombes énormes comme ça. Alors, ça, vous savez, c'est du pépite. Et dire que mon frère et mon jardinier ont essayé de me faire sauter avec ma maison. Et mon pognon, surtout mon pognon. Quel horreur. Bon, maintenant que cette enquête est résolue, moi je vais y aller. Hein. En plus, votre somnifère, il a même pas fait effet. Moi, je vais me prendre un piquet de café. Allez-y, inspecteur, je vous raccompagne. Je vous raccompagne. Heureusement, j'ai toujours une canne de rechange. Mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous, regardez ce qu'il a. Ok. Mais il dort, ce con, grâce à mon somnifère. Comment ça? Expliquez-moi, je comprends pas. C'est très simple. Quand on se disputait avec votre frère, le facteur gêné a posé son colis. Bon, je le pose ici. Il a bu mon verre, croyant que c'était de l'eau. Sur la lettre, il est écrit que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous tuera. Or, qui est plus dans votre entourage que votre frère? Et il a profité pour prendre la tête. Bande de rats, bande d'enculés là. Ils vont tous péter là, allez. Oui, mais ça explique pas pourquoi c'est du coupable. Oh que si, sur la lettre, il y a marqué que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous tuera. Or, le facteur passe tous les jours pour le courrier. Et en voulant poster la lettre, il est tombé. Il s'explique là, où, sur sa main gauche et sur l'enveloppe. Ça alors? Et pourquoi voulait-il me tuer? Même un crétin aurait pu trouver la réponse. Pourquoi le facteur veut votre peau? Car il a voulu vous vendre un calendrier. Oui, c'est pourquoi? Bonjour monsieur, c'est pour les calendriers. Merci beaucoup. Au revoir. Et rabais comme vous êtes, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est encore moi. Vous avez pris mon calendrier, mais vous m'avez pas donné d'argent. Quoi? C'est payant ça? Mais alors garde-toi ton truc là, hein. Ça va pas te faire payer des pauvres gens pour un calendrier minable comme ça? Puis c'est pas que mon salaire de 6000 euros que je vais pouvoir me le payer, hein. Alors tu sais quoi? Va te faire foutre avec tes calendriers de merde. Je vais me venger. Je vais le faire péter, lui. T'entends? Je vais te faire péter, moi. Sale radin, voilà. Moi, radin? Mais je suis pas un radin. Vous êtes pas un radin? Vous êtes un putain de radin. Il y a marqué Monsieur Barista, un gros rat. Mais je lui ai jamais refusé de jour de congé. Pas payé, certes, mais il a toujours. Ça peut pas être mon frère qui les hérité. Dire que mon frère et mon jardinier ont essayé de me faire sauter avec ma maison. Et mon pognon. Surtout mon pognon. De plus, sur le calendrier, il y a marqué que tu n'auras rien facteur pour tes calendriers de merde. Comment je sais qu'il s'agit de calendrier? Parce que depuis le début, le facteur posait une sacoche. Et dedans, il y a les fameux calendriers. Voilà, l'affaire est close. Je suis radin, ça. C'est incroyable. C'est quoi votre nom déjà? Je suis l'inspecteur du Croix, de la police judiciaire.